52, 53, 50. Ah, t'as cru que je faisais du sport ou quoi? Non, non, je compte les vidéos. Bon, du coup, c'est dur, mais pour l'instant, ça va. Une vidéo par jour, c'est quand même tendu. Mais on le fait, quoi! Yo, les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Bugs, moi, ça va super bien. Alors là, je fais un premier checkpoint, parce qu'on en est quand même à la vidéo, quoi, 54, ou un truc comme ça, dans ces eaux-là. Ça dépend de l'ordre où elle sort. Alors, en fait, j'ai eu l'idée de faire un premier point, là, parce que je me suis dit, quand même, tu sors beaucoup de trucs qui sont pas de maintenant. Pour ceux qui n'auraient pas capté, je parle des kickers, les petits freestyles faits avec l'application Kicker, là, ils sont pas du tout de maintenant, ils sont de 2018. Par contre, ils sont inédits parce que je les avais sortis que sur Kicker, ils y sont plus, donc il y a plein de gens qui les ont pas vus en fait. À cette époque-là, je sortais d'un accident où je m'étais fait très mal, pas celui où je me suis pété les dents, mais à l'époque, je m'étais pété les deux bras. Accident de scooter. Du coup, bah, j'avais beaucoup de temps et tout ça. Je faisais que rapper, quoi. Kicker, kicker, kicker. Même si je suis pas d'accord avec tout le concept de la gestion de l'appli, cette appli, elle m'a quand même été très utile et je risque de m'en resservir bientôt vu que j'ai un nouveau téléphone. Au cas où t'as pas remarqué que l'image elle est meilleure qu'avec mon ancienne caméra pourrie. Bref, les kickers, c'est pas des inédits, c'est des trucs qui ont 2 ans et demi. Et du coup, je me suis dit, t'en sors quand même beaucoup et tout. Faudrait pas sortir plus de trucs vieux que de trucs inédits, tu vois. Ce serait dommage. Donc, fais les comptes. Donc j'ai fait les comptes. Donc pour l'instant c'est à peu près équilibré. On va dire j'ai sorti 25 kickers et 28 vidéos originales. Sur les vidéos originales il y a donc des simples vlogs. Il y en a 18. Voilà. Si vous voyez pas ce que c'est, bah cliquez. Je vous en mettrai dans la description. Il y a le livre de Stefan Zweig que je lis en livre audio, quoi, livre lu. Ça pour l'instant on en est à 7 épisodes. Et il y a 3 autres vidéos qui sont des inédits, qui sont des créations. Actuelle. Il y a donc la vidéo d'intro qui présente le projet. Il y a la vidéo sur la ref où j'explique une référence utilisée dans l'hip-hop, d'où ça vient, etc. Je vous mettrai ça pareil en description. Et il y a la vidéo sur les fun facts qui avait pas trop mal marché. 5 trucs rigolos sur le milieu du hip-hop. Et puis dans mes simples vlogs, eh ben, il y a toutes sortes de sujets abordés. Je parle un petit peu de gestion du mental, je parle un petit peu de rap. Voilà à peu près les sujets que j'ai abordés depuis le début d'année. Donc votre mission, si vous l'acceptez avant que ce message ne s'autodétruise, hashtag c'est totalement faux, ça va être de me motiver en m'expliquant ce qui vous plaît le plus. C'est-à-dire que là, j'ai parlé de pas mal de trucs de ce que je fais, j'ai un peu synthétisé. Dites-moi en commentaire si vous kiffez le livre lu, si vous kiffez les vlogs tout simples et sur quel sujet, si vous kiffez les kickers, si vous en voulez des nouveaux, si vous avez des idées de trucs que je pourrais faire, si vous voulez du rap tout neuf, dites-le, je suis sûr que oui, mais dites-le, ça me boostera à travailler ça. Dites-moi donc tout ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors là, c'est le moment où je floute ma vidéo et où je la mets en pause pour vous demander tout simplement de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, de faire tout ce que vous pouvez pour m'aider dans le référencement. Un commentaire, c'est pas de refus. Lâche un petit commentaire, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, fais pas ton rapace comme ça. Et nous reprenons la vidéo immédiatement. Il y a 2 autres petits trucs dont je voulais vous parler. Notamment, il y a un problème de commentaires. Alors, je sais pas comment ça se fait, mais il y a des commentaires qui disparaissent. Heureusement, pas beaucoup, mais bon, malheureusement, des commentaires qui ont l'air des fois très intéressants, etc. Donc, vérifiez quand vous mettez des commentaires s'ils apparaissent ou pas. Je sais pas, ou envoyez-moi un message privé si vous voyez qu'il y a des problèmes avec ça. Parce que, en fait, j'ai des vidéos où le nombre de commentaires, il y a marqué genre 5 commentaires sous la vidéo, et en fait, il n'y en a que 4. Et en fait, c'est YouTube, je ne sais pas pourquoi, qui me zappe des commentaires comme ça. Donc essayez de checker si vos trucs y sont ou pas, et de me tenir au jus, parce que je fais pas forcément gaffe. Bon, normalement, je le vois, parce que là, comme j'ai pas beaucoup de commentaires, je vérifie tout, etc. Mais ça peut aussi m'échapper, et je trouve ça dommage, parce que je fais aussi ça pour interagir avec vous. Donc voilà. L'affaire des commentaires disparus, si vous avez des informations, merci de me renseigner. Petit détail également au niveau des vidéos kickers, des trucs qui ne sont pas des vrais inédits. Juste pour vous signaler que c'est pas les meilleurs que je poste. J'ai tendance à fonctionner, on garde le meilleur pour après et comme ça, il y a des bons trucs qui arrivent. C'est pas forcément une bonne méthode, c'est comme ça que je fonctionne, on s'en fout. Donc j'ai des très bons kickers encore en stock. N'hésitez pas à continuer à checker et à me dire si vous préférez des impros, si vous préférez des textes, etc. Et puis, bah, je sortirai des trucs en fonction. Voili voilou, comme on dit quand on a besoin de se donner une contenance. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lâchez-moi un pouce bleu, un commentaire, un abonnement, tout ce que vous voulez, activez la cloche. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Peace!